On l'a fait ça? Oh, on l'a fait ça. Ça c'est bon. C'est ouvert? C'est ouvert. J'ai un doute. Je crois que c'est plus haut. C'est aussi qu'on avait poussé le chariot avec la grande pince. Hé, hey, qui a allumé ces torches d'après toi? Les morts n'ont pas besoin de lumière. Ouvre l'œil. Tiens, j'avais pas vu cet endroit. Où est-ce qu'on est là? Ah, au coffre, ok, ça marche. Et on avait toujours le coffre là sur le. Sur un côté, je sais plus, on pouvait pas le prendre. Ok, c'est parti. Là, voilà, c'est ça. Et voilà. Là, on est bon. Non, ça c'est bon. Encore heureux qu'il y a des raccourcis, hein, putain. Sinon on n'aurait jamais fini. Après, dans un sens de tout se retaper. Après, de tout se retaper, ça permet de trouver les endroits qu'on pouvait pas ouvrir et tout. Ah ouais, on a bien avancé hein, cette fois-là. Là, on commence à avancer. On avance plus vite parce que ça devient... Enfin, pas plus facile, mais... On va dire que maintenant, les combats... durent moins longtemps. Je reste pas genre 40 minutes sur le même combat. Et voilà. Acier massif. Oh, c'est bon ça. En plus, de toute façon, on y reviendra ici parce qu'il y a des racines bleues là, toujours. Allez, comme ça, on aura le raccourci. Il sera en bas, ça. Il sera en bas. On peut tirer sur des trucs. Ah! Merde! Attends! Non, on s'est encerclé de racines bleues, non. Je peux rien faire. Je pensais par-dessus, mais en fait... Non, en fait, non.
Ah bah après ça va être sûrement pire. Hein. Parce que là c'est vrai qu'on commence à être un peu tranquille, on va dire. Ah, il me faut de l'argent. Ok, vendre artefact. Viens, viens, mais n'oublie pas de respirer. Entendu. Merde. Allons-y. Et pour le jeune homme. Attention les conseils. Elles sont affûtées. Crois-moi. On peut encore l'augmenter? Putain, on peut encore l'augmenter. Augmente les dégâts des flèches. L'invocation runique remplit le carquois d'arteuse de flèches. Ah, c'est bien ça. C'est cool. Allez, au plaisir. Fais voir avec l'expérience. Qu'est-ce qu'on a débloqué maintenant? Ah, les explosions de flèches lumineuses étourdissent les ennemis touchés. Ah, ça c'est bien ça. C'est cool ça. Ah, 13 000. Là on pourrait 1500. Augmente les dégâts de flèche des ennemis, accroît la portée de l'explosion. Voilà, allez. Voilà, 50 secondes de récupération, ça c'est bien ça. Bon, la prochaine fois on fera ça. La prochaine fois on fera ça. L'autre attaque, parce que celle-là elle est vraiment puissante. Il faudrait une porte. Est-ce qu'il y a une porte de téléportation pas loin? Perdu. Je suis perdu. Non, c'est là, okay, c'est à droite. Allez, juste pour le kiff avant de... se quitter. Une autre revient. Je suis en train de taper, je tombe mort. Ouais, non, ça fait trop mal ces merdes. Oh, putain, là niveau 7 quoi, mais elle me massacre. Après, je sais même pas si je peux vraiment faire des dégâts. J'ai même la rage, mais avec la rage, ça fait pas grand chose. Non, c'est bon, plus tard. Ça, c'est les pires pour le moment. Ah, un dragon. Non, serpent. Genre une gang. Bon, bah du coup, je peux m'arrêter où je veux, là, en fait. Bon, bah la prochaine fois... Rage et rocher. Allez. J'y ai pensé en plus, hein, j'y ai pensé. Allez, on va. On va, on va. On va...
va test. Ça m'étonnerait, hein. Le truc, c'est parce que... Okay, on va faire ça. Il faut l'étourdir avant. Je fais tout le pont, putain. Deux fois tout le pont. J'ai jamais fatigué, Kratos. Derrière. Non, c'est elle. Si j'arrive à en tuer une, j'utilise la pierre si jamais... Mais c'est un peu abusé peut-être, non? Le coup du rocher là. Ah non, on a perdu la rage. On était sûr. Oh, fait chier. Ça va pas le faire là. Je peux faire comme ça, peut-être. Ah, non! Merde. C'est pas ça que je voulais. Je fais une erreur. Là, on était bien, là. Comme ça, on peut peut-être les faire. En plus, elles étaient les deux à côte, loin de moi. C'était parfait. Voir rien, je sais pas si elle nous attaque là. Attends. Devrait en fait constamment garder le bouclier et laisser le gosse tirer quoi. C'est le plus... C'est le plus safe quoi. Pardon, je suis pas prêt.
pas de face alors. Je voudrais bien le faire avec corps à corps, mais il y a ses coups de bâton. Quand elle fait ses coups de bâton, ça fait mal. Bon, ça one shot, mais en fait, ils sont très très rapides. Et ça, non, ça, c'est pas top. Donc, on reste à distance. Attendre qu'elle se buff et une fois qu'elle est étourdie, je le refais. Du serpent, c'est bien. Ah. Le switch de flèche fait des dégâts. Non. Non, non. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ça partage les mêmes flèches. Donc, s'il y a plus de bleu, bah, il n'y a plus de jaune non plus. Ça, j'aurais bien voulu que ce soit différent. Mais... Merci beaucoup pour les GG. Merci. On va voir si on peut pas faire des crafts, de l'amélioration. Bon, le coup de rocher il est démesuré. Hein. Bon, les dégâts sont un peu démesurés. Hey, qu'est-ce que t'as fait de ta vache? Comment ça? Je l'ai mangé. J'en ai évacué des bouts pas plus tard que tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Quoi? Elle ne donnait plus de lait. C'était ton ami. Alors elle doit être contente de m'avoir bien nourri. Ma parole, gamin, t'es un vrai sentimental, tu sais. Tu devrais faire attention à toi. Allez, je m'y remets. Pour augmenter ça, mais j'ai pas envie parce qu'on va créer quelque chose de mieux plus tard. Plus tard, on va créer ça. Donc, on va pas augmenter pour le moment. Ouais. Bon, bah voilà. Désolé d'avoir perdu mon temps. Compétences. On a combien d'expérience? Ah, on a que 5000, d'accord. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Ok. Ça, déjà, comme ça, pour être sûr, pour prendre un peu de... Pour prendre un peu de rage. Et on est bon. On va se faire la mission principale, je pense. Et après, on ira fouiller un peu plus tard. Autre part. On va se concentrer sur la mission principale. La mission principale qui est ouf. Faut repasser par là en fait. Non. Ah. Ici. Okay. La dernière fois on avait tué des... ouais, les sorcières là, niveau... les sorcières niveau 6 et 7, là, c'était horrible, mais ça va.
Ça aurait pu être pire, on va dire. On sait qu'on a appris que la rage rocher énorme était abusée. Voilà, on a appris ça, ça c'est bien. Donc ça pourra aider pour les boss futurs si jamais on a des problèmes. La boussole elle se met à jour au fur et à mesure qu'on avance en fait. Ça c'est pas mal ça. Genre ça monte pas toujours le point, ça montre le point par rapport à notre position. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a fait un doigt d'honneur? Non. Gamin, fais gaffe à toi. Ça m'a fini. Ouais, du bateau. Petit bout. Du bateau. Ah, yes, on peut passer par là, c'est vrai maintenant. Voilà, voilà, voilà. On a les flèches explosives. Flèches électriques. On va sûrement un peu crever au début, hein, parce que... comme d'habitude, difficulté, machin. Je sais qu'elle est puissante, mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art. Il faut se remettre. Et nous n'avons rien à perdre. Un peu dans le jamais elle n'y arrive pas, on pourra quand même garder la tête? Non. Mais tu pourras la donner au poisson. D'accord. Le gosse, il est pas censé être gentil. Maintenant, ça l'amuse de donner des têtes aux poissons. Gamin, attends. Je suis avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, putain. Change de cible. Ah, qu'est-ce que c'est relou. Comme le vélo en fait, ça revient vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu paries que ça mène à l'extérieur. C'est quoi cette boule? Hey, ça décode pas seulement les runes de Muspelheim. Ça contient aussi la rune de passage. Vous pouvez désormais lire langage, vous pouvez désormais accéder à la maison depuis la salle de passage entre les royaumes. Ah oui, c'était le code qui pouvait pas. Qui pouvait pas déchiffrer. Mais c'est quoi cette lumière? Ça me stresse. Maintenant il peut lire les runes, ça c'est cool ça. Il en reste
Ouais. Il en reste plus que deux. Mais il est où le coffre? Ah ah. Ça c'est une autre histoire. Ah ah non, ça c'est le non. Ah ah. C'est Goldo. Les ennemis meurent. Pas moi. Qu'est-ce que c'est ça? Oh yes. On va pouvoir faire péter des trucs. Genre ça par exemple. Je sais pas ce que c'est cette boule, c'est bizarre. J'ai un peu peur que... En fait, le jeu devienne facile. Enfin, après dans un sens c'est toujours pareil, hein, c'est normal. C'est normal que les jeux deviennent faciles au bout d'un moment, mais parce que je commence à pouvoir étourdir les ennemis. On peut pas descendre. Non, on peut pas descendre. Je commence à pouvoir étourdir les ennemis en fait très facilement. Et j'ai un tout petit peu peur que en fait on fasse que de ça. Je vois le dalle, je vois rien. Et que ça finisse en... C'est pas trop lourd ? En enchaînant les étourdissements et en one-shotant les gens en fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on en a chié au début. Je vois pas pourquoi on en chierait jusqu'à la fin. Faut bien un moment ou à un autre qu'on soit un peu puissant. Parce que bon. Eh, bien joué. Mais sinon, bon, c'est quand même Kratos. C'est pas. C'est pas le boucher du coin quoi. Hein. C'est Kratos. Hein. Bon, c'est quoi ça? Ça c'est l'espace que tu... Non. Non. Non plus. Là, il y a un coffre. Je sais pas comment le récupérer. Après, on a le coffre bleu. Il nous manque toujours une rune. On va voir là-haut. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Ah. Hein, le voilà. J'espère qu'il se souvient de nous. Ah. Ah. On a trouvé la bonne route. On va revenir en arrière comme d'habitude. On va d'abord faire le coffre, etc. Atreus. Atreus. Je pense aussi ouais, que c'est pour plus tard les boules bleues. Ouais, je l'ai eu. T'as eu quoi? On s'en tape.
Alors. Comme d'habitude, si vous voyez une rune, criez, s'il vous plaît. Merci. Ah ! On a trouvé le passage pour le coffre. On va voir là-bas. Est-ce qu'il vient de se plaindre, le gamin? Plaint un peu beaucoup, non? Ah bah voilà. C'est bien. C'est un gamin. Il s'est compté jusqu'à 3. Pas mal. Elle est bien verrouillée. Là, regarde. Je parie qu'on y trouvera quelque chose d'utile. Alors, une autre carte au trésor. Au milieu des feuilles rouges et de la mousse verte, j'ai caché mon trésor à l'endroit où rêve la tortue. J'aurais voulu un petit rime, mais apparemment non. Bon bah, ça va pas être dur à trouver. Qu'est-ce que je vais faire? Oh. Vous voyez là, ça a été simple de la... De la machin là, de l'étourdir. J'ai un peu... Je pense que ça va être comme ça. Enfin c'est bien, non, c'est marrant quoi. Merde, trop loin. À chaque fois j'oublie que ça... J'étais comment ? Convenable. Tu peux pas lui dire qu'il était bien pour une fois. Quoique dans un sens, comme ça le gosse il s'entraîne toujours, il est toujours au maximum. C'est un peu la psychologie inversée. Sans l'être. Qu'est-ce que t'es censé non, un non, c'est bien trop loin pour que je saute. Je sais pas ce qu'on est en train de faire là. Là on est parti dans la grotte mais je sais pas pourquoi. Ça va être drôle. Faut que je récupère le coffre aussi, j'ai pas encore récupéré le coffre. On y est presque. Qu'est-ce qu'on fout là? Je peux pas sauter avec ces planches en bois. Oui, ça va, j'ai capté, ça va. Ah. Les runes inscrites sur le côté sont différentes. Qu'est-ce que ça dit? Encore une énigme. Oublie de me nourrir et nous sommes condamnés. Nourris-moi trop et je nous consumerai. La réponse doit être quelque part ici, comme avant. Ouais, c'est pas là. La réponse doit être inscrite près d'ici. Non ? C'est... Oui.
ça. Attends. Je crois que je vois quelque chose au plafond. Et ces planches en bois sont devant. Là-haut, tu vois. Voilà. C'est bon, je les vois. Ah ouais, à gauche des planches. Ah ah ah. Bien sûr. Balle. Bien. Bien vu, bien vu. Coffre. Coffre, ça s'avance. Et ça qui fait le gamin, putain. Invocation runique. Alors. Ouais. J'aurais plutôt pensé étourdissement, ça, parce que... Et pas de dégâts. Parce que, bon, c'est des corbeaux, quoi. Mais en fait, non, ça, apparemment, c'est des dégâts, surtout. Ouais, enfin, nous, on prend le loup, nous. Hein. 3000... nous, on va rester avec le loup. On avait déjà vu que les oiseaux, c'était un peu la merde. Enfin, c'était un peu pourri quand même. Donc, on va pas tester. Ah, il était où le coffre? Allez, normalement on devrait avoir plus de vie ou plus de rage. Je crois qu'on a 2 sur 3 des deux côtés. Et j'ai dit de la merde. Okay, cool. Maintenant on a 2 sur 3 des deux côtés. Suis-moi, Atreus. Je suis. L'aura imparable, ça sert pas vraiment, faudra changer. Je parie que ça mène à l'extérieur. J'ai l'impression que ça tourne ouais, autour des ennemis, ça les suit peut-être mieux que les pigeons là, l'autre. Mais genre quand ils montrent. Genre étourdissement dégâts, étourdissement avec le loup, il y avait 3 à la base, et là il n'y a qu'un seul. Et vu que maintenant je commence à jouer pas mal avec l'étourdissement. Je préfère à la limite avoir plus d'étourdissement que de dégâts. Faut être honnête, l'étourdissement est super. Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Shorly. Shorly. Et super quand il y a plusieurs ennemis en fait. Voilà, comme ça. Allez! Ah, merci.